Salut! Hi, this is Anthony from Explore French, and in this A1 level podcast, I will talk about Paris. We will review the alphabet and the numbers, we will see how to spell names, how to count, and how to speak about a city and the underground in easy French. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. Transcription and vocabulary for these podcasts are available on my website www.explorefrench.com. Alors, c'est quoi? Paris. C'est un village Non. C'est une ville Oui, c'est une grande ville. C'est la capitale de la France. Est-ce que vous connaissez Paris À Paris, il y a beaucoup de monuments. Et le monument le plus célèbre de Paris, c'est la Tour Eiffel. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est le symbole de Paris. D'ailleurs, comment ça s'écrit Eiffel? Eiffel, ça s'écrit E-I-F-F-E-L. Parmi les autres monuments célèbres de Paris, il y a la cathédrale Notre-Dame sur l'île de la Cité, la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, l'Opéra Garnier, les Invalides, le Panthéon. Hum. D'après vous, comment ça s'écrit Panthéon. <laughs> Panthéon, ça s'écrit P-A-N-T-H-E accent aigu O-N. À Paris, il y a aussi beaucoup de musées. Parfois, les musées sont d'anciens châteaux et palais. Il y a, par exemple, le Palais du Louvre. Attention, Louvre, ça s'écrit sans S à la fin. Au Louvre, on peut voir la Joconde, on peut voir des antiquités grecques, romaines et égyptiennes, et on peut aussi voir des tableaux et des sculptures classiques. En banlieue, il y a le château de Versailles. Attention, Versailles, ça s'écrit avec un S à la fin. À Versailles, on peut admirer la Galerie des Glaces et la chambre de Louis XIV, le roi Soleil. Dans les jardins, on peut aussi visiter le Petit Trianon, le Grand Trianon et le Hameau de la Reine. Un hameau, c'est un petit village, et la Reine, c'est Marie Antoinette. En fait, le hameau de la reine, c'est une jolie petite ferme avec des animaux construite pour Marie-Antoinette dans les jardins de Versailles. Il y a aussi le château de Vincennes, alors Vincennes, avec ou sans S à la fin Avec un S. Quant au musée d'Orsay, à l'origine, c'est une gare. Le musée d'Orsay est un musée d'art moderne. Mais si vous préférez l'art contemporain, il y a le palais de Tokyo et le centre Pompidou. Le centre Pompidou ressemble à une usine. Il se trouve au centre de Paris. À Paris, il y a aussi beaucoup de parcs et beaucoup de jardins. Il y a, par exemple, le jardin du Luxembourg et le jardin du Palais-Royal. Et il y a aussi les jolis parcs Monceau et Montsouris, hmm, d'après vous, comment ça s'écrit Monceau et Montsouris Monceau ça s'écrit M-O-N-C-E-A-U et Montsouris ça s'écrit M-O-N-T-S-O-U-R-I-S. Enfin, au sud de Paris, le jardin du château de Versailles est magnifique. Mais si vous aimez la nature, vous pouvez aussi passer la journée au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes, avec, pourquoi pas, une promenade aux eaux de Vincennes. À Paris, il y a aussi des centres commerciaux. Par exemple, au cœur de Paris, il y a les Halles avec beaucoup de magasins et de boutiques. À Paris, il y a aussi un fleuve, la Seine, qui traverse la ville. À Paris, il y a encore un centre d'affaires, la Défense. À Paris, il y a également des gares, la Gare du Nord, la Gare de Lyon, la Gare Montparnasse. Et à Paris, il y a un métro. D'après vous, dans le métro parisien, il y a combien de lignes Ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hmm. 14 lignes en tout. En fait, avec les lignes 3 bis et 7 bis, il y a 16 lignes de métro en tout. Parfois, les lignes de métro sont longues. Par exemple, les lignes 7, 8 et 13 font plus de 20 km. Parfois, les lignes de métro sont courtes. Par exemple, les lignes 3 bis, 7 bis, 11 et 14 font moins de 10 km. La ligne 13 est la ligne de métro la plus longue. La ligne 3 bis est la ligne de métro la plus courte. La ligne 1 est très utilisée. La ligne 1 va de La Défense à Château de Vincennes. La ligne 2 est aussi très utilisée. La ligne 2 va de Porte Dauphine à Nation. La ligne 14 est une ligne automatique. La ligne 14 va de Gare Saint-Lazare à Olympiade. En France, il y a aussi un métro à Marseille, mais à Marseille, il y a seulement deux lignes de métro. D'ailleurs, comment ça s'écrit Marseille? Avec ou sans S à la fin? Marseille, ça s'écrit M-A-R-S-E-I-2-L-E -E, sans S à la fin. Et dans votre ville, il y a un métro dans votre ville Enfin, à Paris, il y a des arrondissements. Qu'est-ce que c'est un arrondissement hein C'est quoi un arrondissement Un arrondissement, c'est comme un quartier, un district. C'est comme une ville dans la ville. Paris est découpé en 20 arrondissements et dans chaque arrondissement il y a un maire. Parfois les arrondissements sont petits. Par exemple les premiers, deuxième, troisième et quatrième arrondissements sont plutôt petits. Ils se trouvent au centre de Paris. Parfois les arrondissements sont grands. Par exemple, les 16e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements sont plutôt grands. Ils se trouvent en périphérie. À Paris, chaque arrondissement possède une atmosphère particulière et parfois une culture propre. Passer d'un arrondissement à l'autre, c'est un peu comme passer d'un monde à l'autre. Right. Let's translate this in English. Alors, c'est quoi Paris? So, what is Paris? C'est un village? Is it a village? Non. Hmm, no. C'est une ville? Is it a town, a city? Oui. Yes. C'est une grande ville. It's a big city. C'est la capitale de la France. It's the capital of France. Est-ce que vous connaissez Paris? Do you know Paris? So here we've got quite a few interesting structures. C'est means it is, it's. C'est quoi? It means like what is it? Literally, it means it's what. C'est quoi? It's what? What is it? C'est blah blah blah. It's blah blah blah. Hmm? C'est un village, c'est une ville. It's a village, it's a town, a city. We only have one word in French for city and town. That's ville. Une ville. Hmm? There is no difference between a city and a town. In French, if you want to refer to a very small town, like a village, we say un village. Also, uh, we can't say something like uh, France's capital. We have to say the capital of France uh, in, in French. You know? So, la capitale de la France, the capital of France. And then, est-ce que allows you in French to turn a statement into a question. So, for instance, vous connaissez Paris means you know Paris. It's like a statement. Vous connaissez Paris? You know Paris. If you add "Est-ce que" uh, at the front, it becomes a question. You can turn these statements into a question. Est-ce que vous connaissez Paris? Uh, do you know Paris? And you just need to raise the voice at the end. Right. Let's continue. À Paris, il y a beaucoup de monuments. In Paris, there are a lot of monuments. Et le monument le plus célèbre de Paris, or the most famous monument of Paris, c'est la Tour Eiffel. That's the Eiffel Tower. It's the Eiffel Tower. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est le symbole de Paris. Today, the Eiffel Tower is the symbol of Paris d'ailleurs, comment ça s'écrit, uh, how do you spell that, or how do you write that, uh, Eiffel, ça s'écrit, bla bla bla. Eiffel, uh, it is spelt, or we write it, bla bla Parmi, it means among, parmi les autres monuments célèbres de Paris, among the other famous monuments of Paris, il y a there is there are we just have ilia in french to say uh, there is or there are la cathédrale notre-dame the cathedral notre-dame sur l'île de la cité l'île de la cité uh, literally it means the island of the city sur l'île de la cité on the de la cité. La basilique du Sacré-Cœur. Hmm, the basilica of le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur means sacred heart. À Montmartre. Hmm, in Montmartre. L'Opéra Garnier. The Garnier Opera. Les Invalides. Le Panthéon. The Panthéon. D'après vous, comment ça s'écrit Panthéon D'après vous, according to you, comment ça s'écrit? How do you write that? How is it spelled? Hein? Panthéon, Panthéon. Panthéon, ça s'écrit, hein? Panthéon. Uh, it is spelled, blah blah blah. À Paris, in Paris, il y a aussi beaucoup de musées. In Paris, there are also a lot of museums. Parfois, sometimes. Les musées sont museums or les musées sont d'anciens châteaux et palais like ancient or old castles and palaces un château a castle un palais a palace il y a par exemple there are for instance or there is for instance le palais du Louvre The palace of the Louvre. The Louvre palace. Attention. Louvre, ça s'écrit sans S, à la fin. Hmm? Be careful. Attention. Be careful. Louvre, ça s'écrit sans S. It is spelled without an S. À la fin, at the end. Hmm? Sans means without. Sans S, without an S. À la fin, at the end. So at the end of the word there is no s. Au Louvre, on peut voir la Joconde. In the Louvre, we can see or people can see, it is possible to see. On peut voir la Joconde. La Joconde is the French for Mona Lisa. On peut voir des antiquités grecques. We can see or people can see, one can see Greek Antiques. Des antiquités grecques, romaines et égyptiennes. Greek, Roman and Egyptian antiques. Et on peut aussi, hein, and we can also, and one can also, and people can also, voir des tableaux et des sculptures classiques. See classical uh, sculptures and paintings. Un tableau. a painting une sculpture a sculpture a classique means classical so in these sentences we've got the pronoun on on is conjugated like uh, il et elle as singular mm -hmm. that pronoun the pronoun on it's an impersonal pronoun so uh, typically in english we can translate it by one but most often we translate it by "you" or "people." So uh, saying that "on peut voir des tableaux" uh, means something like "one can see paintings," or "people can see paintings," or "you can see paintings there." But "you" doesn't mean you uh, personally, but just you, like people. One, one can see that there. En banlieue, il y a le château de Versailles. En banlieue, in the suburbs. La banlieue, the suburbs. Il y a le château de Versailles. There is the castle of Versailles. Attention, Versailles, ça s'écrit avec un S à la fin. Be careful, attention. Versailles, ça s'écrit, Versailles is spelt avec un S, with an S, à la fin, at the end à versailles on peut admirer la galerie des glaces et la chambre de louis xiv le roi soleil à versailles in versailles on peut admirer hein, one can admire uh, we can admire people can admire la galerie des glaces the hall of mirrors et la chambre de louis xiv and the bedroom Of Louis the Louis XIV. In French, we say Louis XIV. Uh, we don't say the Fourteenth. Le Roi Soleil, the Sun King. Louis the was known as the Sun King. Dans les jardins, in the gardens, on peut aussi visiter le Petit Trianon. One can also visit the small, the little trianon, le grand trianon, the great or the big or the great trianon, et le hameau de la reine. Un hameau, it's a hamlet. Le hameau de la reine, the queen's hamlet. Un hameau, c'est un petit village. A hamlet, that's a small village. Et la reine, c'est Marie Antoinette. And the queen is Marie Antoinette. Hmm. Here, the hameau uh, de la reine, the queen's hamlet, refers to the, um, the this little village, this hamlet that uh, Queen Marie Antoinette had built um, in the garden of Versailles. En fait, le hameau de la reine, en fait, actually, Le hameau de la reine, the queen's hamlet, c'est une jolie petite ferme. That's a cute little form. Mm? Jolie means cute, pretty. Petite ferme, small form, avec des animaux, with animals. Mm? Un animal, des animaux. One animal and animals. It's different in French, here, yeah? the singular and the plural. Un animal. Et des animaux. Oh. Donc, euh, une jolie petite ferme avec des animaux construite, hein, built, construite pour Marie-Antoinette, built for Marie-Antoinette dans les jardins de Versailles. In the gardens of Versailles. Il y a aussi le château de Vincennes. There is also. Uh, the castle of Vincennes. Aussi means also. Il y a aussi le château de Vincennes. Alors, so. Alors, Vincennes. Avec ou sans S à la fin? With or without an S at the end? Avec un S. With an S. Quant au musée d'Orsay as for the orsay museum, or the museum of orsay, hmm? quant à, it means uh, as for. Hmm? quant à, here, quant au musée d'orsay, because it's le musée d'orsay, so a and le becomes au. quant au, hmm? as for, quant au musée d'orsay, as for the orsay museum, à l'origine, uh, originally. C'est une gare. C'est une gare. It's a train station. It's a station. Le musée d'Orsay est un musée d'art moderne. The Orsay Museum is a modern art museum. Un musée d'art moderne. L'art moderne, modern art. You know? We don't pronounce the T at the end. We say we don't say art, we say ar, just ar, art, just art, l'art moderne, modern art. Mais si vous préférez l'art contemporain, hein, mais but hein, si vous préférez if you prefer if you prefer l'art contemporain, contemporary art. Hein, mais si vous préférez l'art contemporain. But if you prefer contemporary art, il y a le palais de Tokyo. There is the uh, Tokyo Palace. Le palais de Tokyo. Et le centre Pompidou. The Pompidou Center. Le centre Pompidou ressemble à une usine. Ressembler à, here it means to look like. It means to seem or to be like as well. Le centre Pompidou ressemble à. Hmm, it looks like une usine, uh, a plant. Hmm. Il se trouve au centre de Paris. Il se trouve, se trouver means like to be located or just to be. Huh. Il se trouve au centre. It is located or it is in the centre. Au centre, in the centre, de Paris of Paris. Il se trouve au centre de Paris. À Paris, il y a aussi beaucoup de parcs et beaucoup de jardins. À Paris, in Paris, il y a aussi there is also there are also beaucoup de a lot of beaucoup de parcs, hein, a lot of parks et beaucoup de jardins. Hein, a lot of gardens. Il y a par exemple There are, for instance, for example, par exemple, le jardin du Luxembourg, the garden of Luxembourg, et le jardin du palais royal. And the garden of the royal palace, le palais royal, the royal palace. Et il y a aussi, and there is, there are also, les jolis parcs, the Cute parks or the pretty parks. Hmm, joli means pretty, or cute. Les jolis parcs. Monceau et monsouris. Hmm, D'après vous. D'après vous means according to you. D'après vous. Hmm, comment ça s'écrit? How is it spelled? How do you write that? Monceau and monsouris. Monceau, ça s'écrit. Monceau so is spelled, or you write that, blablabla. It is spelled, blablabla. Ça s'écrit, blablabla. M-O-N-C-E-A-U. Et mon souris, and mon souris, ça s'écrit, it is spelled, it is written, blablabla. M-O-N-T-S, O-U-R-I-S. Enfin, enfin means lastly. Au sud de Paris, Uh, in the south of Paris, au sud de Paris, in the south part of Paris, le jardin du château de Versailles, the garden of the castle of Versailles, est magnifique, is magnificent. Magnifique means magnificent, beautiful. Mais, si vous aimez la nature, but, If you enjoy, if you like the wild, la nature, hein, the wild. Vous pouvez aussi, you can also, vous pouvez aussi passer la journée au bois de Boulogne. Passer la journée to spend the day. Vous pouvez aussi passer la journée, you can also spend the day au bois de Boulogne. In Boulogne wood, the wood of Boulogne. Un bois. Means a wood, ou, or, hein, ou, au bois de Vincennes, in the wood of Vincennes, avec, with, pourquoi pas, why not, une promenade au zoo de Vincennes, a stroll, a walk, at the zoo of Vincennes, hein. une promenade, uh, it's a stroll or a walk. À Paris, il y a aussi des centres commerciaux. In Paris, there are also shopping centers. Un centre commercial, a shopping center, des centres commerciaux. The pro is O. Shopping centers. Par exemple, for example, au cœur de Paris, in the heart of Paris, cœur means heart, au cœur de, in the heart of, au cœur de Paris, il y a les Halles. There is there are les Halles. So les Halles in France, in a city or a town, it refers to a, an indoor market. Avec beaucoup de magasins et de boutiques. Avec beaucoup de, with a lot of. Avec beaucoup de magasins, with a lot of shops, et de boutiques, and boutiques. À Paris, il y a aussi un fleuve. In Paris, there is also a river. Un fleuve. A river. La Seine, that's the name of the river going through Paris, qui traverse la ville. That is going through the city. Traverser it means to go through. donc, la seine qui traverse la ville. la seine that is going through the city, la ville. à paris, in paris, il y a encore. there is also here encore. doesn't mean again. it means also. il y a encore un centre d'affaires. there is also a business center. la défense. Donc euh, les affaires it means business hein, un centre d'affaires a business center à Paris il y a également des gares également also means also so we have plenty of options to say also in french aussi encore également donc à Paris il y a également des gares in Paris there are also Uh, stations, train stations. La gare du nord, the station of the north, the northern station. La gare de Lyon, Lyon station. La gare Montparnasse, Montparnasse station, etc. Et à Paris, il y a un métro. Métro means underground, or subway in American English. Donc, et à Paris, and in Paris, Il y a un métro. Like there is an underground network. There is the underground. Il y a un métro. D'après vous, according to you, d'après vous, dans le métro parisien, in the Parisian underground, or in the underground of Paris, il y a combien de lignes? Combien means how many, how much? It's the same word in French to say how much and how many, we say combien. Il y a combien de lignes? Literally, there are how many lines. Here, we replace the missing information by the question word. Ligne une, line one. Ligne deux, line two. Ligne trois, ligne four. Line 3, line 4, ligne 5, line 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 13, 14. Hmm. 14 lignes en tout, hein, 14 lines in total, en tout, in total. En fait, en fait means actually. That's very useful. We often say en fait in French. En fait, actually, avec les lignes 3 bis et 7 bis, with lines 3 bis and 7 bis, il y a 16 lignes de métro en tout. There are 16 underground lines in total. Parfois, les lignes de métro sont longues. Parfois, sometimes, les lignes de métro sont longues. Uh, the underground lines are long. Par exemple, for example, for instance, les lignes 7, 8 et 13, lines 7, 8 and 13, font plus de 20 km. Or, over 20 km. So in French we don't say pas uh, it is 20 km long we say that it does 20 km long Donc les lignes 7 8 et 13 elles font they do elles font plus de like more than or over plus de 20 km over or more than 20 km long Parfois, sometimes, les lignes de métro sont courtes. The underground lines are short. Par exemple, for instance, les lignes 3 bis, 7 bis, 11 et 14, hein, lines 3 bis, 7 bis, 11 and 14, font moins de 10 km. Elles font moins de 10 km. They are less than 10 km long moins means less. plus, moins. more and less. plus, moins. elles font moins de 10 km. they are less than 10 km long. la ligne 13 est la ligne de métro la plus longue. line 13, literally, it means line 13 is the line, the underground line The longest. So, line 13 is the longest uh, underground line. La ligne 13 est la ligne de métro la plus longue. The longest. La ligne 3 bis est la ligne de métro la plus courte. The shortest. La ligne 3 bis, line 3 bis, et la ligne de métro is the underground line la plus courte, the shortest. So the shortest underground line. La ligne de métro, la plus courte. La ligne 1 est très utilisée. Line one is used a lot. It's busy. It's a busy line. Or line one is very busy. La ligne 1 va de, line one goes from, la défense, à, 2 Château de Vincennes. Vincennes Castle. La ligne 1 va de la défense. Line 1 goes from la défense à Château de Vincennes. To Vincennes Castle. La ligne 2 est aussi très utilisée. Line 2 is also very busy. Or very used. Used a lot. Elle est aussi très utilisée. La ligne 2 va de Porte Dauphine à Nation. Line 2 goes from Porte Dauphine, like Dauphine Gate, to Nation. À Nation. To Nation. So in Paris, all around Paris, we find gates. Uh, in French, we call them Portes. Porte, literally, it's a door. But in English, it's better to translate by gate. It's a gate to go into to get into the city. So in Paris, we've got quite a few underground stations that have the name of a gate. Here it's the Gate of Dauphine, Porte Dauphine. So uh, line two goes from Dauphine Gate to Nation. La ligne deux va de Porte Dauphine. À Nation. La ligne 14 est une ligne automatique. Automatique, here it means um, automated. So, Line 14 is an automated line. So, basically, it means that there is no driver inside the train. La ligne 14 va de Gare Saint-Lazare à Olympiade. Line 14 goes from Gare Saint-Lazare, so Saint-Lazare train station, à Olympiades, two Olympiades. En France, il y a aussi un métro à Marseille. In France, there is also an underground network in Marseille. Il y a aussi un métro, un métro like an underground, meaning an underground network, à Marseille, in Marseille. Mais, but, mais à Marseille, in Marseille, il y a seulement deux lignes de métro. Seulement, only, il y a seulement there are only deux lignes de métro, two underground lines. D'ailleurs, besides, on actually here in this context, comment ça s'écrit Marseille? How is it spelt? How do you write that, Marseille? Avec ou sans S à la fin? With or without an S at the end? Marseille, ça s'écrit, blah, blah, blah. Marseille, it is written, it is spelt, blah, blah, blah. Sans S à la fin. Without an S at the end. Et dans votre ville? And in your city? Dans votre ville? Il y a un métro dans votre ville? Is there an underground network in your city? So here, what is interesting is, uh, as you can see, we don't need to change anything in French to make a question. We can keep the statement. We just raise the voice and it becomes a question. Il y a un métro? Is there an underground network? Il y a un métro? If I if I um, lower my voice it can be a statement like il y a un métro oh, there is a, a, a subway or an underground network il y a un métro but if I raise the voice at the end it becomes a question i don't need to change the order of the words in this in the sentence il y a un métro is there an underground network enfin at last enfin à paris in Paris, il y a des arrondissements. There are arrondissements, we can say, we can translate maybe with districts. Qu'est-ce que c'est? What is it? Un arrondissement. C'est quoi? What is it? Un arrondissement. So we have two ways to ask, what is it? We can ask, qu'est-ce que c'est? Which is kind of neutral. Et c'est quoi C'est quoi Is a bit more informal. Literally, it means it's what, it's what, you know? what is it C'est quoi Un arrondissement. Un arrondissement, c'est comme un quartier, un district. C'est comme, it's like, c'est comme une ville dans la ville. It's like a city in the city or within the city. Paris est découpé en vingt arrondissements. Découpé, it's like divisé, it means divided. Paris est découpé, like Paris is divided, en vingt arrondissements, into or in into 20 districts. Et dans chaque arrondissement, and in each district, chaque means each. And in each district, et dans chaque arrondissement, il y a un maire. There is a mayor. Parfois, sometimes, les arrondissements sont petits. Districts are small, petits. Par exemple, for example, les premiers, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes arrondissements sont plutôt petits. Pluto, rather, plutôt petit, rather small. Donc, par exemple, for instance, the first, second, third and fourth districts are rather small. Ils se trouvent au centre de Paris. Ils se trouvent, they are located, they are au centre de Paris, in the center of Paris. Parfois, sometimes, Les arrondissements sont grands. The districts are big. Par exemple, for example, les 16e, 17e, the 16th, the 17th, 18e, 19e et 20e arrondissements, 18th, 19th and 20th districts sont plutôt grands. They are rather big. Ils sont plutôt grands. Ils se trouvent. Uh, they are located. They are en périphérie. En périphérie, here it means like on the edge. You know? Ils se trouvent. They are located. They are en périphérie, on the edge of the city. Mm. À Paris, chaque arrondissement possède, uh, owns, une atmosphère particulière, like a particular, a specific atmosphère chaque arrondissement hein, possède une atmosphère particulière each district owns or has hein, a, a particular a specific atmosphere et parfois une culture propre hein, propre here it means own like and sometimes uh, its own culture hein, a specific culture et parfois une culture propre. Passer d'un arrondissement à l'autre, passer de something à something, it means to go from blah 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 to blah blah blah. Euh, donc passer d'un arrondissement à l'autre, to go from one district to the other, c'est un peu comme It's a bit like, c'est un peu comme, it's a bit like, passer d'un monde à l'autre, to go from one world to another, or to the other. Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.